الكريمة التي يعني جاءتنا من فرنسا مكان إقامتها جناد عبد الله الزفلان. مرحبا يسم مغرنا ذاكي بلاطو الزفلان الثقافية. مرحبا يسام استضعت ازيا فيك كنت صغير تسحسي السن كنا مكان اشنا مرحبا يسام نتي لويتا كير مرحبا يسم غورنا. جناد عبد الله هي كاتبة روائية أيضا صدر لها العديد من المؤلفات. كنت قراغ ليسكروكور سي فوتخ ديرني رومون. باقي سي لو ديرني رومون ليسكروكور سي لو ديرني رومون وي. جوز ما بعد نظر فلاس votre dernier l'escroqueur, c'est-à-dire c'est un homme qui escroque les femmes. Dès qu'il voit une femme qui travaille, elle a de l'argent, elle est usée, il la drague, il lui escroque, il lui reçoit. C'est une réalité. L'argent. C'est une réalité, justement. C'est un livre, c'est une histoire qui est passée des années 2014. C'est une très très belle histoire, une histoire véridique. Et je souhaite, il y a beaucoup de mon entourage qui a apprécié le livre, le roman, ils l'ont lu. Et voilà, j'espère aussi pour les autres, s'ils veulent savoir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une très très belle histoire. Madame, pensez-vous que vous avez cassé des tabous peut-être dans ce roman ? Beaucoup, beaucoup, oui. Mm-hmm. Oui, beaucoup même. J'écris déjà, il y a ces trois livres-là, c'est des histoires véridiques. Il y a le Destin croisé, tome 1. Justement. En bas de la suite du Destin croisé, c'est Au-delà de nos âmes. Au-delà de nos âmes. Et le troisième aussi, c'est tome 1, tome 2, tome 3, c'est l'escroqueur. C'est trois histoires qui se suivent. Voilà, trois histoires qui se suivent. Toujours on trouve la femme dans vos écrits. C'est toujours, oui. C'est-à-dire, moi, tout ce que j'écris, j'aime bien écrire des vraies histoires, des histoires véridiques. Je suis sollicitée surtout par toutes les femmes. Je fais des silas, c'est mon cinquième silas. Bon, les femmes, elles viennent me voir. Elles me confient, elles parlent, elles me confient leurs problèmes, leurs secrets. Alors, des fois, j'ai des idées pour écrire. Des fois, je leur demande aussi si je peux écrire leur histoire. Justement, revenons sur votre parcours dans le monde d'écriture. Vous avez écrit aussi de la poésie. Oui, ça fait très, très longtemps. J'avais 15 ans. J'avais 15 ans. J'ai commencé à écrire Stakvelit. Stakvelit. Sfrou nga mzwaru, nagas ya fous sur un yaya, mliyi da chou tarbha. Tani la tabi soura, il y a ce tilsi la hdo, la qalim si thira yahfa, ma douli ou ma zali tchou. Ya fous sa ya thura, si thira barka, an fi wou la di tahdin. Shhal mara nga narja, si tnerfan yurga, na yis kroum dayin, zian tkchi se bel mhna, am yuk la gaka, asan fili ya dawin. Ou une vraie, ya kin fang, shahar ya adda, ya gad la sinadir fles. لو كان في دنيا قرقا ما هضر الصحة الحق ما روح في الصيفات مين توي بغيارة يعشق من الحطة بركة كان يدي في دس فلم يعفور بي فيري الحيف نتلاوين تمور القبائل يمرني ثم نبدل الحوا شوية زمان راه ديني vous avez passé de l'écriture enfin de la poésie déjà à l'écriture des romans mais qui sera le passager qui bon نقاش بي بدور بدور زي صاحب خدمة la poésie. Bah, après, c'était le mariage, les enfants, vous s'occupez des enfants. Alors, j'ai mis tout dans le truc, dans le tiroir, j'ai fermé la clé, j'ai peut-être un jour. Mais en 2013-2014, j'avais ce déclic. C'est par rapport à une femme que j'ai croisée à l'aéroport de Nice. Elle m'a raconté son histoire. Et c'est là que vient l'idée d'écrire. C'est là que j'ai repris quand même. J'ai ouvert le tiroir, j'ai pris la plume. Non, écoute, maintenant, on va commencer à travailler. Justement, la plume féminine, pensez-vous qu'aujourd'hui en Algérie, est-ce que c'est facile d'écrire Je me dis, j'ai pas de difficulté pour écrire. Moi, j'ai pas de difficulté. Déjà, de s'imposer déjà au milieu de cette société dite masculine. Il faut être fort de caractère, bien sûr. Une kiné, la semi qui fait le premier livre, Né Destin Croisé, n'est donc. Il faut pas l'éditer, d'accord. Tu l'as écrit, mais tu le gardes que pour toi. D'accord. Voilà, d'accord. Et tu le gardes pour toi. Dans sa rôle, il n'a du coup ton livre, jamais il va marcher en Algérie. Il n'y a personne qui va le lire. Non, mais pourquoi, pour quelle raison? Comme ça. Non, je vais le publier. Non, je suis restée 6 mois à l'écrire.
maintenant, il faut que je le publie. Mm-hmm. Et franchement, c'était mon premier livre, je ne savais pas qu'il allait avoir du succès. Franchement, je savais pas. C'était un défi pour vous, mais, madame. Mais Damit, le jour, la première fois, c'était mon premier Sila quand je l'ai publié. Et franchement, les gens, ils ont aimé. Et depuis, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui me suivent. Mm-hmm. J'ai beaucoup de lecteurs et de lectrices aussi. Justement, parlons du Sila, Sila 2018. Vous allez présenter votre dernier roman. Comment les rencontres au Sila se passent pour vous, madame? Ben, la première fois, je ne savais pas, je ne connaissais pas trop le Sila, j'avais peur. Après le deuxième, le troisième, maintenant c'est devenu... ça allait, maintenant je suis rodée, voilà. Je suis rodée, c'est-à-dire je retourne... Il y a des vents dédicaces. Il y a des vents dédicaces, il y a aussi nos lecteurs, nos lectrices qui viennent spécialement nous voir. Moi, il y a des gens qui sont venus me voir spécialement, ils sont venus de Constantine, ils sont venus d'Annaba, ils sont venus d'Oran, ils sont venus d'Akbo, ils sont venus de la petite Kabylie de Bouger, ils sont venus de chez moi aussi, c'est des gens de chez moi d'Asfoun. Bon, franchement, ça me fait plaisir, bien sûr, c'est des retrouvailles, tout ça. Pensez-vous qu'aujourd'hui, est-ce que l'écriture, c'est un combat actuel, surtout pour la femme algérienne? Oui, bien sûr, c'est une arme. Oui, bien sûr. Parce que si on ne lit pas, on dit quoi? C'est ça, c'est l'écriture. Justement, écrire pour résister. Écrire, lire, bien sûr. On doit écrire tout ce qu'on a, qu'on appelle ça, sur le cœur. On doit l'écrire. Voilà. Je veux dire, c'est un message. C'est un message que je transmets aux femmes. Et écrire en tamazight aussi, madame. Eh bien, j'ai pensé, c'est que tu avais une guette front, smezer, inshallah, at front, s'gnizif aussi. Parce que justement, il y avait un anglais aussi qui a lu l'histoire, il a lu les trois livres, il m'a fait une proposition, c'était très très belles histoires. Il n'y a des chauffons tout ce fort-là, s'gnizif, il n'y a de. Non, c'est quoi, voilà, c'est une bonne idée. Mais quand tu fais un signisit, c'est un petit peu comme ça. Bien sûr, il y a un naro, moi. Eh bien, donc, d'abord, tu as un oui. Justement, les projets, madame, à venir dans l'écriture ou bien d'autres projets, il y a un scénario. Il y a un scénario, il y a le film Adifar Inch'Allah en 2019. C'était la semaine passée, j'étais avec mon producteur Ahmed Lakab. On a parlé, on a discuté justement. Non, moi ça va très, ça va. On est sur une bonne voie. Le film Chasse, si tout va bien, Inch'Allah, en 2019, elle était faite, Inch'Allah. Madame, vous vivez dans l'autre rive de la Méditerranée, mais qu'est-ce que Nice, je vis à Nice. Et tu vois, mais qu'est-ce que le paysage culturel en Algérie? Il y a un château. Parce que, c'est pour ça que tu ouvres, qu'il va te dire une Coranie. Moi, ce que j'écris, c'est des petits livres, c'est des nouvelles. C'est pour inciter justement les gens à lire. Voilà. Parce qu'à Dorhan, des fois, j'ai aussi des collègues, c'est des écrivains, c'est des grands écrivains quand même, qui sont avec moi. Alors, ils prennent le livre, dès qu'ils voient un petit peu le truc, l'épaisseur du livre, ils disent, ah, on a de... Surtout l'ère de la nouvelle technologie, les tablettes, les smartphones. Voilà, c'est... Voilà, nous connaissons cette semaine là, une semaine de guilzel, quand même. Une semaine, en plus, on est obligé de la lire, parce que madame va nous poser des questions. On est obligé de répondre. Et c'est comme ça que j'ai apprécié aussi le truc, que j'ai apprécié la lecture. Parce qu'on on a le Mouloud Pharaon, Mohamed Dedeb. Justement, la présence de nos écrivains du système éducatif, je crois que les Français sont casels et les écrivains. Atas. C'est-à-dire même que c'est ce. Je parle en général des écrivains. Mais c'est que le problème, le rachat oral, c'est. Voilà, on a des grands écrivains, on a des grandes écrivaines aussi, mais malheureusement les gens ils lisent pas. Et c'est ça, c'est ça le. Qui met chez nous l'Europe, vous allez trouver que des négros se croient qu'ils ne trouvent pas d'aide. Non, mais ils font la garde. À titre de métro, on t'a fait la garde. À titre de bus, on t'a fait la garde. Dans le parc, on t'a fait la garde. Partout, même quand ils ont toujours ce livre. Malgré le développement technologique, ils bossent au sommet, mais toujours malgré.
plaisir. Moi, des fois, des fois, quand je parle avec des gens qui aiment vraiment la lecture, des gens qui lisent beaucoup, je n'ai pas envie de lire, je n'ai pas envie de prendre une tablette pour lire. Moi, je préfère prendre le contact avec le papier. Il faut que le contact avec le papier, le contact. Mm-hmm. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, les gens ils lisent en France, partout, il n'y a pas qu'en France, hein. C'est partout. Mais le Kunitmortenar, c'est rare. Le Kunitmortenar, surtout Gosmi, il y a quelqu'un sur Facebook, etc. C'est franchement, c'est le... L'image de l'Algérie en France, mais elle est toujours dans les médias, vous suivez à chaque fois le débat, la clandestine, l'immigration, tous les débats avec les médias. Est-ce que ça, c'est là l'image de l'Algérie en l'Algérie? Non, mais d'ailleurs, c'est que je vous parle en connaissance de cause, hein. Parce que les médias aussi, elle fait beaucoup de choses. Ça, c'est pas vrai. Le Kenya, bon, ça fait très très longtemps que je suis en France, ça fait 37 ans quand même que je suis en France, que j'ai jamais rencontré des difficultés, soit dans mon travail, soit avec mes contacts, mes amis, soit avec les voisins, j'ai jamais eu ce problème. Les gens, quand tu les respectes, les gens ils te respectent, hein. Moi, j'ai jamais eu de problème. Mais après, bon, bien sûr, il y a des gens, il y a des problèmes, je sais pas, c'est un petit peu très très fragile au niveau des drogues. Il y a aussi des problèmes d'éducation, attention, hein, parce que mais ça aussi, moi je trouve aussi le... C'est difficile avec les traditions et... Non, que j'ai jamais de problème. Moi j'ai toujours dit que j'étais algérienne, toujours. Mm-hmm. Non. Je suis algérienne, je suis kabyle, je suis fière de l'être. La preuve, pourquoi? C'est pour mon pays. Déjà, c'est l'histoire, les trois, et puis c'est un autre film aussi, ça s'appelle Le Dernier Cri. Le Dernier Cri, c'est une femme qui a eu un accident de voiture, une nouvelle mariée qui est morte 6 mois après le mariage. Elle était enceinte, je crois, de 3 mois. Et c'est là qu'elle a perdu, parce qu'elle parle à son mari au téléphone. Il lui dit, c'est moi qui vais venir te chercher. La voiture, elle pleuvait, la voiture, elle a glissé. Elle s'est fait percuter par un camion. Alors, M. Dada, il a entendu que le cri. Alors, c'est marrant, c'est le dernier cri. Ouais. Mais c'est une histoire aussi, c'est une vraie histoire aussi. Avec quelle langue elle est, Normalement, que voilà, avec le producteur réunion Ahmed Lakab, il a été d'une souffrance sarraf, c'est d'une souffrance mazir. Inch'Allah. Il y a des gens qui ont été dans la violence, l'amour et la violence. La violence, c'est sarraf, parce que quand il fait un ancien, tu viens, on s'entend vraiment en chantier. C'est le silence qui tue. Le silence qui tue, c'est une vraie histoire aussi. J'ai parlé un petit peu de l'inceste, le viol et la pédophilie. Voilà, ça touche un petit peu tout. C'est un sujet d'actualité, la pédophilie, ces derniers temps. Zahran, pensez-vous que la femme en Algérie, est-ce qu'elle subit vraiment d'une violence sociale? Avant, oui, mais je crois parce que maintenant la femme algérienne, elle ne se laisse pas faire. Hein. Parce qu'elle travaille, elle a son salaire, elle a sa liberté, elle a sa voiture. Je crois que quand même, c'est une femme. Elle est entière à elle-même. Donc, quand on dit, les choses sont vraiment dans le monde d'écriture. Qui menait en tant qu'intellectuel, en tant qu'écrivain. Une question salam, ta mort narrative est toujours. Salam, a-t-il de coucher. Vraiment, tu salam, l'hygiène n'arrive qu'à drôle. Il faut qu'elle ferme chez toi. Et pour votre prochain rendez-vous, le Sila? Le Sila, Inch'Allah, normalement, si tout va bien, l'ouverture du Sila, c'est à partir du 29. Le 29-30. Ouais. L'ouverture. L'officiel, ou mal. L'officiel, c'est le 30. Mais c'est que le problème, le 30, je ne serai pas là-bas. J'ai un passage sur TV4, tu sais. Je suis invité par Dr Zerdoumi, justement, pour une mission culturelle.
بس نصور سلام مس زردومي مس زردومي معنا سنغ مس وليد سنغ هزول فيلك فوالا كل إذا عنا سنيني الإلكتور الإلكتريس إذا عني فغانا ندير روحن هذه ولينا هذه من الأكوز جينا دا عبدلي يمكن هذه لين أون فورس كلوسيلا إن شاء الله إكثر جوغتن مكوس سوكوس سا جوغتن نو إني نعطي مكوس سوكوس سا جونية ثاني ميرسي مدرسة دار غورنا مدام يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة إن شاء الله من هنا شكرا إذا هكذا كانت ضيفتنا جميلة عزيزة علينا لنهار اليوم بكل لغات نحكي عن ثقافتية جزائرية عربية أمازيغية أو فرنسية لتكون هكذا جزائريتنا جزائرية شكرا على المتابعة